Donc là, on est arrivé à la piscine naturelle de Afia, mais avant de revenir nous baigner, nous allons d'abord continuer vers la chute d'eau qui est tout près. Voilà, la chute de Afia, comme vous pouvez le voir ici. Et parce qu'on est en pleine saison sèche, c'est pourquoi il n'y a pas assez d'eau. Voilà, normalement en saison des pluies, il y a beaucoup plus d'eau ici et un endroit magnifique. Mesdames et messieurs, je viens de découvrir une nouvelle cascade et je l'ai baptisée la cascade de Chiotou. Est-ce que l'on est une cascade de Chiotou? Combien de mètres là? On est tout en haut. Donc on rentre à partir de maintenant. Donc là maintenant on a fini de voir la cascade. On va retourner un peu sur nos pas pour aller nous baigner au niveau de la piscine naturelle de Afia. Donc voilà. Nous y voilà. On est arrivé à la piscine. La piscine naturelle de Afia. Tout à l'heure, on va entrer dans l'eau. La piscine naturelle de Afia. Voilà, une fois sur place, tout s'est enchaîné merveilleusement. Les lieux magiques, la météo, l'ambiance, voilà. J'ai demandé au guide, tu crois qu'on pourra se baigner?
Il a dit, mais oui, si tu veux, mais l'eau n'est pas chaude. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est entré dans l'eau et puis on en a bien profité. Voilà, l'eau est très propre. Hein. Je sais que ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais c'est juste des feuilles d'arbres et tout ça, des feuilles mortes. Sinon, l'eau est très très propre. Hein. Je peux dire que voilà, on peut même la boire. Voilà, on en a très bien profité et tout. L'eau est un peu froide, pas trop trop froide, mais voilà, en moyenne quoi. Puis voilà, on a bien profité ce moment. Et puis il faisait extrêmement chaud dans les montagnes, donc ça faisait l'occasion. À chaque fois qu'on trouve un point d'eau comme ça, on en profite pour nous rafraîchir. Maintenant, on a fini de nous baigner. Voilà, il est temps de préparer notre retour à la maison. Donc, voilà, on prépare les bagages, on s'habille et puis on marche. Comme il fait très chaud en ce moment, donc nos habits vont sécher avant d'arriver à la maison. Donc, c'était un moment extraordinaire aussi.
D'accord. Je vais vous montrer comment vous faites.